plaisir d'un dimanche sur Deus Ex. Ça vaut tout l'or du monde, je vous le dis, moi. Comme quoi, le bonheur, ça tient un peu de choses. Alors, retour aux affaires. Alors, je pourrais déclencher le merdier là maintenant, mais je me suis souvenu, après enregistrement et avoir rapidement revisionné ma vidéo précédente, j'ai le code pour la chambre accéder au créateur universel, là, je sais plus comment il l'appelle, la super machine. C'est pas par là, c'est un autre étage. Ça, c'est les gardes. Putain. Merde, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. J'ai encore voyagé. Non, c'est pas là. Oh, j'avais une de ces diarrhées, les gars, vous savez même pas. What? Non, c'est le PC sécurité, je m'en fous. Attends. Merde, je suis complètement largué. Mais en fait, à la base, j'étais peut-être tout proche. Ah, c'est là où je veux aller. Je suis rentré dans le tunnel, mais je sais plus comment. Dans Versalife. Je vais aller en dessous là, dans le couloir à la con, là où il y a le vigie, merde. Je sais plus. Ah si, ça y est, je sais. C'est par là. Putain, j'ai oublié qu'il y avait un passage ici. Mais oui, c'est par là, putain. Ah.
Un soupir. Et le code, je crois que c'est 525. Si j'ai pas de conneries, si ma mémoire me trahit pas. Alors attends, je vais essayer. C'est à 5. À 3 chiffres. Dans, ah non, il y a 5 chiffres. Merde. C'est pas ça. Ah merde. Merde, merde, merde. Ah, j'ai pas le code? Merde. Ah, puis j'ai des choses à lire en plus. Alors, de Monsieur M. Lindquist à Monsieur Agate, et à Donovan. Le sujet, c'est le programme du projet Gray. Alors, veuillez trouver attaché le programme préliminaire au projet Gray. Merci de le compléter de vos suggestions avant la réunion de la semaine prochaine. J'aimerais mettre en lumière certaines de leurs caractéristiques, et notamment leur capacité à générer spontanément des radiations comme une arme d'attaque, et leur apparente résistance à un certain nombre de conditions environnementales. Nous essayons toujours de ressusciter les informations contenues dans les sources de données de l'ancien Dreamland, mais nous sommes déjà parvenus à en extraire une séquence génétique complète des anciennes expériences sur des sujets bovins, ce qui nous a permis de rendre viables deux sujets tests. Ils ont été isolés dans la chambre radioactive en bas pour observation, au cas où vous voudrez compléter votre information personnelle avant la réunion. Néanmoins, nous n'avons aucune nouvelle de Feng et des Eukarkian. La police de Hong Kong est à sa recherche, mais il nous faudra repousser notre étude du développement Kerkeng. Je sais ce qu'il donne signe de vie. Bah, tu parles, c'est le mec que j'ai retrouvé mort dans le tunnel effondré suite à la rixe entre les deux gangs. Merci, Dr. Lindquist, ouais, signé le mail. Et les deux gris, oui, bah oui, c'est les extraterrestres de Roswell. Putain, c'est excellent. C'est trop bien. Alors, un autre mail de Monsieur Lindquist de Versalife à Monsieur Wittey de Versalite. Sujet. Et c'est LNE. Simmons, Walter Simmons, le grand méchant, le Dark Vador. Simmons m'a demandé d'équiper certains de nos agents série P de prototypes de lames non euthétiques avant la production en masse, afin que les données fonctionnelles supplémentaires soient générées. Miss Shaw, ah la Miss Maggie là. Miss Shaw m'a également assuré que les lames NE avaient été reprises aux triades et sont actuellement mises à jour des procédures de sécurité. Merci de me faire savoir aussitôt que vous le pouvez la date prévue pour leur distribution. Buvons un coup ensemble demain soir. Armel me pousse depuis un certain temps à sortir plus souvent et je ferai bien d'en profiter maintenant. Parce qu'avec le gosse qui arrive, j'ai bien l'impression que je vais bientôt passer mes nuits au chevet du bébé. Merci, Dr. Lindquist. Alors, de M. Lindquist vers sa life, Amiola Donovan, programme du projet Grave. Mais j'ai déjà lu ça. Là, j'ai eu un doublon. Ah bah oui, c'était à deux destinataires, c'est pour ça que je l'ai relevé deux fois. Oh, même trois fois. Ok. Alors, centre des opérations à tous, sujet alerte, à tous les agents, accréditation Archangel 1-8 et supérieur. Veuillez noter que les sanctions pour prise pour connaissance de matériel sans accréditation appropriée sont détaillées dans la charte de l'UNATCO, section 3.1, paragraphe D à E. Un agent félon, nom de code JC Danton, a quitté les États-Unis et on pense qu'il est en route pour Hong Kong. Tous les agents et autres personnels sont avertis qu'il est très dangereux et doit être traité avec les plus grandes précautions. Ne tentez pas d'engager le combat, mais signalez toute localisation du sujet à l'agent Herman, AG Herman UNATCO. Alors, du grand méchant, la WS, c'est Walter Simmons. Madame Maggie Shaw. Sujet, contrôle des triades. J'ai relu votre dernier rapport relatif au vol de sable prototype et aux efforts fournis pour le récupérer. Je vous félicite de votre réaction rapide et d'avoir su profiter de la situation pour accentuer les tensions entre les triades principales. La guerre qui en résulte va assurément affaiblir les structures politiques locales et j'ai déjà donné l'ordre d'une présence plus importante du MJ-12, agents qui seront placés sous vos ordres pour des opérations locales. La solidification de notre contrôle sur Hong Kong est la première étape de notre programme de mise au pas des autorités chinoises récalcitrantes. Nous avons aussi reçu des rapports qui laissent entendre que l'agent Danton Psycho pourrait actuellement être à bord d'un SH-187 volé se dirigeant vers Hong Kong pour un possible rendez-vous avec Tracy Tong. Servez-vous de vos relations locales pour localiser Tong et liquidez-les tous les deux.
Alors, de MacChange à Maggie Cho, sujet rapport. Nous avons observé certaines activités suspectes près du quartier général de la Voie Lumineuse. Un hélicoptère noir non identifié et un étranger posant des questions sur la voie et leur chef. Je suggère la plus grande prudence tant que nous ne connaîtrons pas ses intentions. Je vais ordonner à quelques frères de le garder à l'œil. Tenez-vous également sur vos gardes, signé Max. Max Cheng. Alors, de Monsieur Beguet de Versalife à Monsieur Lundquist de Versalife. Réponse au sujet test LNE. Alors, Simon m'a demandé d'équiper certains de nos agents CRP prototypes non étatiques avant la production en masse afin que les données fonctionnelles supplémentaires soient générées. J'ai aussi blablabla. Réponse. Alors, j'en ai distribué plusieurs aux CRP de l'immeuble. Je sais que ce prototype est la création d'Arthur, mais tous ces mecs à lunettes et costumes me donnent la chair de poule. Notre second prototype de LNE a été expédié à Simmons ce matin pour distribution. Je n'arrive pas à croire que ces gangsters aient réussi à intercepter le premier exemplaire unique. J'ai lu dans le journal qu'ils ont l'intention de s'en servir pour mettre fin à un genre de guerre des gangs. Ils le nomment la dent du dragon, vivement que je retourne au State. Un verre s'impose à demain, signé Marc. Alors, de A. Donovan de Versalife à M. Lundquist de Versalife, sujet, agent série limitée P, entre parenthèses, généralité. Alors, les tests des séries P ont produit d'excellents résultats, et je continue à croire que notre approche physio-pharmaceutique de l'amélioration des agents est de loin préférable à celle qui préconise les méca-augmentations, et peut-être du même niveau ou presque les nanomodifications pour un coût et des efforts moindres. Les agents série P montrent une certaine absence de la sensation de la douleur combinée à une augmentation correspondante de leur endurance et de leur force. Leur conditionnement psychologique produit une loyauté estimée à 9,66 sur l'échelle de Higzak. Le court-circuit autoterminal explosif déjà installé dans les agences sériennes s'est montré extrêmement utile pour éliminer toute trace des séries P pour le cas où ils sont mortellement touchés ou incapables d'accomplir les objectifs de mission. Nous tenterons toujours d'isoler le gène des caractéristiques albinos, mais les lunettes de soleil et les vêtements noirs semblent avoir résolu la question, Dr. Arthur Donovan. Ah, attends, je l'ai pas lu ça. En plus, c'est du grand méchant. De Walter Simmons à destination de M. Lundquist de Versalife. Sujet, cargaison de virus. La première cargaison de virus a été chargée à bord du cargo et est actuellement en transit. Les premières données sur sa libération dans l'atmosphère de New York vous seront transférées dans les 48 heures. Nous aimerons pouvoir disposer de particules efficaces au moins à 92% dans nos prochaines cargaisons, avec un objectif à atteindre de 95% dans les 8 semaines. Nous souhaitons aussi nous assurer que nous disposons des réserves d'ambroisie de quantité suffisante pour pallier à toute urgence. Alors vérifiez la précision des calculs actuels et leur correspondance avec les estimations les plus récentes du rapport peste-infection. Oh, c'est horrible. Ils répandent le mal, les salauds. Alors, Dr. Bate qui s'adresse directement... Non, c'est le Dr. Lindquist qui s'adresse directement au Dr. Bate. Alors, je viens juste de terminer de superviser le rééquipement de réservoir de carburant du cargo. Il est regrettable que des impératifs... j'ai déjà lu ça, oui, qu'ils mettent de la biocombinaison, sinon ils vont être contaminés. Mais il veut que tout le monde soit contaminé, il en a à battre. Il est immunisé en plus dans ces nanogènes là, l'enflure. Il en a rien à foutre des recommandations. J'ai pas le code, merde. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Donc, du coup, il se produit que je vais recharger la précédente partie. Je vais pas me faire chier à refaire tout le chemin. Surtout que j'ai aucun gain. Et je vais lancer les fauves. Ça va être rigolo. On s'amuse comme on peut. Alors, je lâche quoi? Couper les générateurs de radiation. Déverrouiller la chambre magnétique. Voilà. Ça, je crois. Ouais, non. Normalement, ça a dû foutre la merde. Sauf que j'ai pas l'impression. I'm afraid we don't have time for visitors right now. Ah, j'avais oublié ça. C'est une expérimentation.
trying out new coat proteins that resemble common fossil lipids. Ah, ils l'ont eu. This fun did better than most. He is very excitable. Ça sert à rien, ils sont trop forts. C'est nul, je suis déçu. Tout mon foutoir a servi à rien. Non, je suis déception. En fait, j'ouvre pas les portes à distance, mais je charge le code dans mon débrouilleur. Ah ouais, bah alors là. Après, je peux prendre les codes de la des cellules, mais c'est con. Mais quand tu vois le résultat, je peux pas être enthousiaste. Hein. I'm afraid we don't have time for visitors right now. Bah, je t'ai pas demandé de visite, là, ma couille. Ah, mais c'est ouvert. Ah mais j'ai le droit de me servir? Some of these people are androids. Much the way they move. Attends, je jette mon pistolet sans offense. Hein. Je suis pacifiste et je jette les armes. Ah merde. I don't want to be disturbed. Oui. That apparatus in the center is for magnetic containment, kind of like a tokamak. Ah, attendez. Espieur, viseur. Putain, mais c'est énorme. Attendez. J'ai des choses à faire. De la plus haute importance. J'ai besoin d'être optimisé par le MJ-12. Please, you'll upset the subject. Mais je te dérange pas, ma couille. Oh. Alors, j'ai l'embarras du choix. Ah merde, j'avais déjà celui-là. Alors, viseur ou amplificateur de vision. Viseur, occupe l'emplacement des igneux. Ce système d'évaluation et de reconnaissance visuelle obtenu en... Voilà, je recommence. Ce système d'évaluation et de reconnaissance visuelle obtenu en assortissant le nerf optique de fil quantique de polyacétylène, amélioré pendant non seulement d'améliorer l'acuité visuelle, mais également d'obtenir de certaines informations concernant la cible. D'accord. Et l'autre, c'est quoi? C'est amplificateur de vision.
En décolorant certains photorécepteurs et en les saturant de métatorphodizine 12, la vision de nuit que la plupart des animaux nocturnes peuvent être démultipliée. Les modifications et les amplifications afférentes apportent de l'infravision et l'imagerie de résonance sonore qui permettent à l'agent de voir au travers des murs. C'est peut-être un peu craqué. Tais-toi. Je vais installer le viseur, moi. Le viseur me plaît beaucoup. Alors, contient invisibilité au radar ou la cape? Alors, l'invisibilité au radar, au niveau du derme. Cette résine absorbant les émissions radar utilise le système génétique des cellules dermales, réfléchissant les systèmes de détection radar de la plupart des robots, caméras et tourelles. D'accord. Mais ça va jusqu'à... La perte d'énergie est réduite à 50%, la perte d'énergie est réduite à 100%. L'autre, c'est la cape. Alors, des cellules de pigmentation sous-cutanée permettent à l'agent de se fondre dans son environnement, le rendant ainsi invisible à tous les ennemis biologiques. Ah, biologiques seulement. Pas électroniques. Je sais pas si ça vaut le coup. Invisibilité radar. Soit je suis invisible aux machines, soit je suis invisible aux êtres vivants. Ouais, bah je vais choisir d'être invisible radar devant les machines. Allez hop. This one did better than most. He is very excitable. Ça, je vous le laisse, je l'ai déjà, mais ça vaut. Merci. Excusez-moi, je reprends ce qui m'appartient. Hop là. Et je me recasse d'où je viens en fait. Voilà. C'était où le truc où il fallait tomber? Ah oui, c'était là-bas. Ouais, il y a des gardiens. Ouais, le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant je peux pas faire autrement. Donc j'ai pas la clé de la porte niveau 2, fait chier. J'aimerais bien bousiller leur créateur universel, mais j'ai pas. Attends, ça me fait tellement suer que je vais relire à deux fois. D'ailleurs je me demande si c'est pas Tracer Tomb qui me l'a dit. Blablabla. Qui c'est qui m'a parlé d'un créateur universel? Oh, fait chier. Note info cube. Littérature, email ou autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Docteur, j'ai mené une étude de régression sur le créateur universel
et il semblerait qu'une grave erreur puisse entraîner un phénomène de reproduction incontrôlée. Jusqu'à ce qu'une nouvelle version du système de contrôle puisse être testée, j'ai installé un patch provisoire qui initiera une séquence de fermeture en domino. Cela détruirait aussi le CU en même temps, alors n'y recourez qu'en cas d'urgence. Le code du patch est 525. Attends voir, c'était pas là où j'étais. Enfin, je peux y retourner, mais... Attends, parce qu'il y a la serrure de niveau 2 avec 5 chiffres, et je l'ai pas la combinaison là. Par contre, c'est vrai qu'il y avait un digipad au fond du bordel, là où j'ai pris les 3 prismo-modificateurs, là. Il y avait un digicode, j'ai pas vérifié sa qualité. Là qui fait non, c'est pas ça le créateur universel. Si ça a 3 chiffres, non, ça en a 5. Non, c'est pas ça. Attends, y a un truc qui m'échappe. Two words for whomever wrote this biometrics package: user interface. Ouais, sûr. Oh, connasse, tu me reconnais pas? The process is going smoothly then? Better than we expected. The array of reaction modules has allowed the UC to perform multiple constructions in parallel. Wonderful. We'll have to try that trick at Area 51. The problem, you understand, is primarily a security concern. Never mind that punk from UNATCO. The security here is adequate and we have a long-term program guaranteed to make him irrelevant. We call it Icarus. Icarus? A sweet bit of engineering. You'll like it, but we can't talk here. Your office? No time. Tell me on the way. Je suis pas allé ici. Je reconnais que je ne connais pas. Là, j'ai mal exploré. Oh, ceci, c'est les gardes. Oh là là, je suis déception. Je suis déception. C'est con, mais pour me barrer.
clé des placards débarquement ajoutés au nouveau sélecteur. C'est intéressant. Attention, inspection des casiers. Je vérifie comme quoi vous avez pas déconné. C'est le vigilant chef qui l'envoie. Non. Confisqué. I think you're lost. Pas du tout. Je suis pas du tout perdu. Je suis très bien concentré. Ouais. Encore, ça c'est conventionnel. Voilà, bon du crédit. Vive le pognon, y'a que ça de vrai. Hey, what are you doing in here? Inspection des chambres, je l'ai dit. C'est le vigilant chef qui m'envoie. Ah merde. Ah, je déverrouille, mais je peux aussi verrouiller. Ah non. Ça c'est mon casier à moi, ça. D'ailleurs, ça pourrait être une solution de repli. Ah mais non, ils sont trop nombreux ici. Ici, il faudrait que je les baise avec une caisse. Si je peux prendre une caisse et boucher l'entrée de leur vestiaire, ils l'auraient dans le cul. C'est jouable. Oh my God! Voilà. Tu veux passer? Pas droit. Ces clampins, je les ai enfermés. C'est trop bien. Bon, au moins je suis débarrassé des vigies. C'est drôle tellement que ça devient ridicule. Alors, qui pourrait m'emmerder dans ma fuite? Je vais pas tous les tuer quand même. Sécurité spéciale du laboratoire. Ouais, mais elle, si je la bute, ça va se voir, non? Oui, non, ça va se voir si je la bute. Bye.
c'est tout, faudra pas que je revienne ici, tant pis. Hop là. J'ai fait ce que j'avais à faire et hop. Je me casse. Non! Putain, si je joue de l'échelle, ça va pas le faire. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Là, c'est un cul-de-sac, non? Non, c'est pas un cul-de-sac. Je vais ailleurs. Bah, est-ce que j'ai un... Oui, mais c'est les côtés. C'est les piliers latéraux, je crois, si je vais là, non? De la grande entrée. Ouais, c'est ça, je reconnais. Remarque, je vais être obligé de fuir. Est-ce qu'il serait peut-être pas bon que je vais m'enfuir par la grande entrée, il n'y a pas d'autre sortie. Est-ce que je dois pas neutraliser les mecs en patrouille dans l'entrée? Bon allez, on y croit. Aïe. Remember the briefing. I will bring together the dragon heads for a meeting. Je suis pas du tout là où je devrais être. Je pensais que je prenais la sortie, mais non. Ah mais merde, il faut que je révise en fait. Ah si, non, ça y est, je sais. Oui, mais si, je peux peut-être les neutraliser d'avance, les couillons. Si, attends, il y a un coup à jouer, là.
Tac, 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 tac. Voilà, pas de précipitation. J'ai deux gardes. J'ai deux gardes à neutraliser. Si je peux les neutraliser. Si je fais pas le con, je me tire de Versalife sans une égratignure. Attention, c'est digne du spin-off ce que je vais faire. T'es parti. Vite cette année. Ah, mais y a personne qui me poursuit. Y a personne qui me poursuit. Oh, trop fort. Et si c'est ça, c'est le casse du siècle. Joli, comment j'ai atterri sur le canapé. Par contre, je sais plus où il est sorti. Pas mal, franchement, la tentative elle était belle. T'as comment j'ai sauté deux étages sur le canapé en cuir, c'était trop classe. Je suis sûr que je peux me casser de manière classe. Doit y avoir moyen à ce que l'alarme se déclenche pas. Ah vu que j'ai le truc où je suis invisible. Mais merde. Mais oui. Thank you.
Alors, là je veux bien recharger un petit peu, mais... Finalement, j'ai fait le bon choix parce que comme je peux me cacher des caméras, pour moi c'est tout bénef là. La caméra, mais elle m'a vu, cette conne. Oh merde! Casser avec brio. Peut-être une sage de lacrymo, c'est pas con. Dans quel état je vais arriver? J'ai plus de jambes. Mayo, je n'ai plus de jambes, ça fait bobo. Merci. À Versailles, on s'en souviendra. Non, j'ai pas du bon côté. Non, je me trompe. Je retourne du côté de la Poufias, là, de la Cheng. Mais j'ai déjà réglé son compte à elle. Non, faut que j'aille à l'est, pas à l'ouest. Là, je trouve encore le moyen de me paumer à Hong Kong.
Pourquoi il n'y a pas le garde à l'entrée? C'est pas rassurant. On est censé avoir un garde, hein. Ça va? Ngai Chikao. C'est la grande cour intérieure. Mais j'adore le chien. Le chien il est trop bien au bout de la. Ah oui, c'est l'autre con que j'ai assommé, tiens. Il est toujours KO le clodo qui m'a fait chier. La cuisine. Et pas Schmitt. Ah oui, c'est pas un poêle, je crois, je sais plus. Putain, je sais plus. Oui, c'est le grand long couloir, c'est vrai. On est d'accord, j'ai pas failli à mes objectifs. J'ai des doutes. Rendez-vous au temple de Wenchang pour sceller l'alliance des triades. Mais c'est parfait ça. Ah, quel bordel. While you are here, observe the laws of the triad. Alors, est-ce que j'ai des courriers? C'est possible. Non, ça n'a pas changé en fait. Mais non, ça n'a pas changé du tout. Il est où le grand Manitou? Vous savez? Please, complete your business and then go. Mais oui, mais je cherche Monsieur Tong. Ah bah, attends. What are you doing here? The triad leaders are waiting in the temple. Ah! Bah je les ai pas vus. Merde. Pas comme si l'autre abruti m'avait coupé le chemin et puis que j'avais dû passer par-dessus la rambarde. Hein, ma couille? Tong is in the operating theater. Oui, je viens de le croiser, merci. Dur, on va y arriver. C'est marrant, quand je vois ces décors, je repense à la mission dans Hitman avec la maison traditionnelle de samouraï japonais là, avec les ninjas dans le. Dans les décombres. Les ninjas dans les combles. Dans les décombres. Oh les cons. Alors, ils sont où les chefs des triades là? Ils sont à l'étage supérieur, ils sont où? C'est la table là, les négoces? Vous pouvez m'expliquer les mecs? Merci. Mais non, vous êtes pas les chefs. While you are here, observe the laws of the triad. Ok, je vous piche pas, ça c'est le réfectoire. Attends, je me maille un peu le cul parce que je piche plus rien. Non, bon, ça c'est le compartiment secret Tong. En fait, l'ennemi est pas censé savoir ça. Alors, ils sont où nos invités? Je
comprends pas. You must have won great favor with the dragon head. Oui, oui, merci, Makoui. J'adore les faveurs de dragon. Mais... C'est la salle à côté? Putain, mais je pige rien. Mais non, mais ça, c'est le truc extérieur. Mais les mecs, vous êtes où? Ah, je suis pas dans le bon temple. Attends. Je croyais que c'était ici, mais attends, j'ai rien capté. Rendez-vous au temple des Wai Shai pour céder l'alliance des triades. Merde, je suis pas au bon endroit. Ah con, je croyais que c'était ici. Oui, mais je m'en fous, il reçoit autant d'Américains qu'il veut, c'est pas mon problème. Merde. Je me suis trompé. If Tom decides he'll trust you, you'll be free to come and go as you please. Oui, merci, route. Oh merde! Je crois que c'était ici, moi, le lieu de rendez-vous. Il est où le temple à la con? C'est pas le temple qui était fermé? Ou c'est le temple où j'étais rentré, où j'étais en pamoison, là? J'étais. Oh putain, c'est beau, sous le charme. C'est pas un temple, ça, c'est des boutiques. Oh merde! Il est où le temple de mes couilles? J'avais écrasé le chat, j'avais rigolé. Merde. Il est où ce temple à la con? C'est Bouddha là? Oui, c'est peut-être là, tu me diras. Ah oui, apparemment c'est là. Bonjour messieurs. C'est pas là où j'avais écrasé le chat. Alors. Let us be quiet. Agent Denton from America has retrieved the software component. Please accept our gratitude. It is my honor. Begin. As the faces of a perfect breed are reflections of one another, as they join together to make a perfect edge, so we shall form one blade, not the male and female swords of Ganjian, one which must avenge the other, but one weapon. Precise in its purpose, though wielded by many arms. And much as the steel sharpens its edge and anneals its own surfaces, let us preserve, together, the form of our traditions. The only enduring work of man, that which is born again with the next generation. Forever. Forever. Again, accept our thanks, Mr. Denton. You will have to join us for drinks at the Lucky Money later tonight. In the meantime, Mr. Tong wants to see you. Thanks for the offer. Maybe I'll stop by. Au Money Lucky, c'est ça? Lucky Money? L'agent Denton d'Amérique, j'adore. Au Lucky Money ce soir, d'accord. Bon, bah ce soir, je vais au Lucky Money faire la taf avec vous. Bon, au revoir, messieurs, dames. Le temple est magnifique. Je vais aller revoir copain Tong qui ne cesse d'avoir chaussures à son pied. Fallait que je la fasse. Monsieur Tong, par définition, peut-il être à côté de ses pompes? Vous avez 4 heures. Oh le con. Merde, il est où son temple? Mais non, je suis allé à l'opposé. J'ai dit des conneries et puis je me perds au niveau de la boussole. Mais reviens, gamin. Merde. Cette fois-ci, je cours. Hein. J'en ai marre de marcher comme un grand-père. Alors, autant j'adore faire le contemplatif, mais là... Hop là. Hop, par sécurité, je referme la porte. Il court pas dans les escaliers. Oh non.
porte, oui. Je vais aller voir Monsieur Tang. Attention, je cours et je saute. Oh oui, je saute. On ne court pas les escaliers. Surtout qu'ils sont sombres ceux-là. Putain, il y a un clair obscur, c'est casse-gueule. Alors c'est bizarre ce que j'ai vécu là au Majestic 12 de Hong Kong. J'ai cru que c'était la zone 51. Donc du coup la suite je m'en souviens plus du tout. Je sais que à la toute fin il y a une approche aquatique qui est possible. Dans une base, la dernière base planquée du MJ12 bah, qui est la zone 51. Mais après... Après je sais Paris, je me souviens du début Paris. Et après sans déconner je me souviens plus du tout. Peace between the triads is now official. Good. We begin to operate from a position of strength. We will start manufacturing the swords and distributing them to our allies. What next? Mercilife was crawling with troops. I think they were hiding more than sword technology down there. Tell me about the labs. Paul and I concluded that Mercilife does the manufacturing, while the real research takes place in North America. Plenty of scientists. Biotech, physics, nanotech, several research divisions. It would seem we still have a mutual interest. We know they manufacture ambrosia. If you went back and gained access to the level 2 labs, perhaps you would find something on the Grey Death. Your brother's failure in New York has left me with nothing. You think you could find a cure? That cannot be determined until I have a schematic of the virus particle and the molecular structure of ambrosia. I'll go back, but won't they be ready for me? There's a back way at the north end of the Canal Road Tunnel, which is just east of the temple. I sent an agent in that way once. She turned up a key code to the Nanotech Research Wing, 55655, but no data. Worth a try. By the way, Versalife lost one of their R&D men in the Canal Road Tunnel collapse. A guy we think was carrying nanotech assets. He did some of the basic research that went into your implants. You might take a look, if you don't mind going for a dive. I was down there already. A bad business. Oui, j'ai allé, ouais, c'est vrai. Perhaps you can locate and destroy the manufacturing facilities as well. C'est ce que je voulais, mais tu as seulement me donné le code. Donc sachant que j'ai foutu une merdier là-bas et qu'ils sont en état d'alerte, à l'idée d'y retourner, je suis pas en joie. Je vais me faire tirer à vue là pour le coup. Ou alors il va falloir que je sois armé comme Rambo et que je bute tout le monde. Ce qui promet d'être un carnage et d'un massacre. Mais pourquoi pas? Après tout, où on en est? Si dans l'eau je peux me faire Miss Maggie et Page, Bob Page qui est de mèche avec Dark Vador, là, hop, c'est bon, le complot mondial du mal est mort. Avais-je lu vos beaux livres? Je crois, oui. Oui, vous avez une section réparation pour moi, mes couillons. Il est hors de question que je reparte au combat en n'étant pas remis à neuf. Eh oui, je dis oui. Ah, je cherche mon batterie, mais je me suis pas réparé. Merde. Il y a le robot pour charger les batteries, mais il n'y a pas pour le... pour que je me répare. Ça fait chier, ça. Ou alors, attends, je m'auto... Mais oui, je suis con. Je peux m'auto-réparer. Et je peux demander à être... Mais oui.
Je demande à être régénéré par la machine, que je suis con. C'est du pareil au même. Ça y est, j'ai fini de m'auto-réparer. Non, pas ça. Pas ça non plus. Putain, je me perds dans mes super pouvoirs là. Ah bah voilà, je suis neuf. Merci ma couille. Ah, oh, mais c'est le bonheur. Ça y est, là je suis prêt à retourner au feu à Versailles, il faut leur casser la gueule. Alors attends, il m'a dit que je pouvais passer par un autre endroit pour infiltrer vers sa life. Ça je peux le laisser. I cannot believe the news. The Triad are won? Alors, il y a un passage par l'arrière à l'extrémité nord du canal, enfin du tunnel de Canal Road, qui se trouve juste à l'est du temple. Alors, je vais retourner au temple, je vais aller à l'est. D'accord. Alors, attends, je retourne au temple. Le temple, il est là où il y a un énorme Bouddha. Ouais, le Bouddha est là. À l'est du temple. Attends. Ouais, mais j'ai pas le droit d'y aller là. Le temple est là, à l'est du temple. Donc ça veut dire face à l'entrée. Il y a un truc de Tunnel Road. Il y a un passage par l'arrière, à l'extrémité nord du tunnel de Canal Road, qui se trouve juste à l'est du temple. À l'extrémité nord du tunnel. L'extrémité nord du tunnel de Canal Road. À l'extrémité du tunnel de Canal Road. Ah, tout Canal Road. Ok. C'est pas le bon temple, ils sont chiants nazis. Bon, tu me diras, eux, ils ont les temples, mais on a les églises. Putain, je me référençais pas au bon temple, j'étais pas prêt de trouver. Mais non, là je suis à l'opposé de là où je dois être. D'accord, oh là 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 là. Même en course à pied, il va me falloir 5 minutes avant de rejoindre l'endroit. Tu me diras, c'était vachement à l'opposé, parce que là où il est localisé vers sa life, c'était pas logique. Merde. Je suis en train de me taper des murs. Je
Y a rien de planqué là? C'est suspect. C'est suspect! J'ai déjà réussi à infiltrer l'appartement de Miss Maggie là qui me les a bien brisés. Tu me diras, aller dans son rôle. Alors attends, blablabla. Le Hachinami. Au Lucky Money avec moi, pour faire la fête d'avoir fait la nique en grand méchant. Mais non, c'est pas ça, de toute façon, ça c'est une sortie. Canal Road. Ah oui, Versalife. Attends, il y a Tanuchi Road. Merde, pardon. Il y a Tanuchi Road. Tiens, il y a une caméra. Pourquoi, je ne sais pas. Ah, mais là, on est tout proche de Versailles. Perhaps a present for your girlfriend. Là, il y a les
du coup, ils font la fête ou pas? J'ai pas l'impression. Ah si. Hello, Mr. Tender. Moi, je suis célèbre maintenant. I will believe this news of the truth when I hear it from the Dragon Head. Good evening. Hello there. Great places. Isn't it? You have the wrong idea about the Triad Unit. In what way? They run the economy. The black market prices in clubs like this let people have a good time. They say there is a German-speaking man looking for you. He smashed up a bar in Wanchai. Un homme qui parle allemand, ce serait pas Gunther? Putain, si c'est Gunther qui est à ma poursuite, je le défonce. Now the police cannot take sides. The new sword will be in production soon. Ouais, c'est cool. Votre chef est pas là? Stay your business and go. Oh merde. Attends, je m'occupe de mes affaires, je regarde ses mails. je me mets des bisounions. Ah, mais j'ai déjà lu ça. Oh. Ah oui, c'est la chambre de... Ah, il est resté au temple, entre, au temple pour sceller l'union, d'accord. Ok, oui, non, relations sont... Oui, un pare-balles, j'ai pare-balles aussi. Hello. Ah oui. Salut ma grande. Hello. Salut cochonne. Mademoiselle Ling. Ah, il a pas été remplacé, le mec il est toujours mort. C'est moi le Fiji. Bah oui. Alors, je relis une énième fois son truc. Parce que le problème, c'est que c'est grand, Hong Kong. Et c'est qu'un quartier, je m'y perds. Alors, laisse tomber. Alors, il y a un passage par l'arrière, à l'extrémité nord du tunnel de Canal Road, qui se trouve juste à l'est du temple. À l'extrémité nord du tunnel de Canal Road. Le tunnel de Canal Road. Tunnel de Canal Road. Le tunnel de Canal Road. Attends. L'Underground Main, les Ancient Temple. Le problème, c'est que je reconnais pas les lieux. Les quatre petits trucs en piliers, je pourrais les reconnaître. Victory Park. Attends, à quoi ça ressemble les quatre petits? Ouais, non, ça je peux pas. Oh le bordel, toi! Il y a des armes qui jonchent le sol! Ça, c'est la police. Sérieux? Tu crois que je peux rentrer dans le... Moi je veux bien. Je veux bien. Tu as Xi Jinping, il dit je rachète complètement. Mais ils ont pas mettre le club, merde.
fait, j'ai gagné quoi en faisant le con ici? J'ai désactivé les caméras et j'ai gagné je sais pas quoi, donc ça vaut pas le coup en fait. Rentabilité, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est horrible. Mais je sais pas où est-ce qu'il est le canal, mes couilles, je suis perdu. Ou alors c'est au-dessus de ça qui se passe, je sais pas. J'arrive pas, je passe par la porte d'entrée, mais je défonce tout le monde. Hein. À l'accueil, il va y avoir que des morts. Tiens, déjà, ça c'était une porte, je l'avais même pas vue. Tout au bout de Canal Road. Ça peut-être, non? C'est pas l'immeuble de Versailles? Tout au nord? Ouais, je sais pas, je vais voir. Là, j'atterris dans quoi? Là, c'est berge. La berge ne m'intéresse pas. Meuble estampillé vers sa life ici. Là, c'est là où il y a eu les racailles, si je puis dire, les dealers que j'ai liquidés joyeusement. C'était au début de mon aventure de Hong Kong. Passage par l'arrière, à l'extrémité nord du tunnel de Canal Road. À l'extrémité nord du tunnel de Canal Road, qui se trouve juste à l'est du temple. J'ai envoyé un agent par là une fois et il a réussi à découvrir le code de l'aide de recherche nanotechnologique de 55655. Mais aucune autre donnée. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Activity down here. Activity? What kind of activity? Anything. The canal's dead. They've added a section for night time. Nevertheless, there's traffic, even when you don't see it. You mean heroin? Illegal products, of course, but you find everything in the canal. Things that have been lost, things people want to forget. Last month, he was the leader of the Red Arrow. He was floating near my house. You saw the body? My name's in the paper.
I saw the cut across his neck. They are right. It was cauterized. It was what? Cauterized. The scientific terminology. Someone cut him. But it was a weapon that cannot be explained with the current technology. What else do you find? Do you sell it? Are you a tourist? Just curious. I hear the triads control all the smuggling in Hong Kong. Yes, the triads do it. I am the simple merchant. I receive only fruits and vegetables. My sampan? But you said... Yes, fresh, from my grocery store in the market. Right. I will have to stop by and take a look sometime. My store is now open in the evening. Ok, ma couille. C'est ça l'arme pas fonctionnelle. Je l'ai en main. Le mec il fait peur à tout le monde. Ah! Intéressant. Je sens que je vais être obligé d'y aller au frontal, hein, parce que je trouve pas son histoire de Canal Road au nord de Canal Road, côté du temple. Où est-ce que tu vois un temple, franchement? Là, moi, j'ai pas de temple. Come by in the morning. Sampan rides. Five credits. Ça, c'est pas un temple, c'est un bordel. Et... comme un gros con. Ça me dit vaguement quelque chose avec cette demoiselle. Ah, c'est peut-être là. Enfin, peut-être que je revienne là où la demoiselle. Mais comment je fais pour joindre le... là peut-être. Oui. Alors, dingue, je vais. Merde. C'est grand Hong Kong et c'est qu'un quartier. Ah oui, alors oui, c'est le Old China Land. Alors on y retourne. Waouh. Et encore, je me dis, si je vais voir la demoiselle aux cheveux colorés, je crois que c'est là où il y a l'immeuble de la reine, les appartements de la Poufias. Mais j'étais déjà rentré ici. Mais oui, le mec, il m'avait confondu. No, I am sorry. I take care of you. Special price. Many bargains at Old China Hand. Everything 8 credits. You know of a Maggie Chow? Maggie Chow, a bad character. Before she was an actress. Now she's everywhere in Hong Kong politics. They're saying she's a spy. Who is she spy for? No one knows. Somebody paid her a lot of money once. And one of the rares ended up floating in the canal. Dangerous to talk about. You buying Wen Chai? You pay 12. Here, 8. Never mind. Ouais bon, merci ma couille. Ouais, il y avait les cuisines. Je sais plus, il y avait la chambre froide. Sortie de la chambre froide, ça allait où? Je sais même plus.
Ah oui, je vais retourner dans les canaux, ouais, d'accord. Bon, alors attends, je vais refaire en sens inverse parce que je vais ressortir. Je vais aller voir la demoiselle aux cheveux colorés, là. La Miss Manga, là. Là, pour le coup, j'ai plaisir à courir parce que... Parce que fuck. C'est ouvert ça? Ah oui. Ah oui, c'est l'appart du malheureux. J'avais complètement oublié son appart à lui. Alors attends. Faut que je remonte. Et à un moment, il y a la fille. Qui n'était pas là. Être de l'autre côté. Attends. Non. Ah oui, c'était là, je crois. Ouais. Il y a la fi- Et puis ça mène à où, ça, déjà? Ah, c'est bizarre, ça. Tu me diras, j'ai pas fait à la nage des canons. Hein. Il y a peut-être des trucs. Hein, au niveau des canons. Alors, chargement... Forcément. Oh, dans les méandres de Hong Kong. Attends, on est où là? Je sais plus. Oui, c'est ça, on est chez la Poufiasse. Sauf que ça m'intéresse pas. Non, bah tant pis, je vais retourner à Versalife. I bet you come from the market. That's where I'm... Je vais retourner vers sa life. Tant pis, je vais y aller de front. Hein. J'arrive pas à trouver leur foutue sortie arrière. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça va, je finis par mémoriser une partie des chemins. Tant pis, je vais retourner de front vers sa life. Il va y avoir des échanges de coups de feu, ça va être un carnage, mais bon. Allez hop. Je sais plus ce que c'était le code. Ah non, à la fin, ils finissent par me les briser. Alors. Vers sa machin là. Non, oui, le 55655, c'est pour plus tard. Mais c'est le code de l'entrée. Garde du terrain est nécessaire. 7 corbeaux. Nia nia nia. Nia nia nia. Nia nia nia. Alors, ouais, 0-62-88. 0-62. Voilà, je me suis planté. On commence. 0-62-88. Merci. Merde, ah oui, c'est pour monter, c'est vrai. Ça va être un carnage. Pistolet mitrailleur, ouais. Je suis prêt, mes salopes. Allez. Je suis pas prêt, mes salopes. Il y a encore le gaz de ma... Putain, mais c'est énorme. Il y a encore le gaz de ma grenade. Non, mais eux, c'est de la... C'est ça qu'il faut que je leur batte. Non! Oh le con. La porte s'est refermée. Je vais essayer. Si je fais de l'électrique, ça marche ou pas?
Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. J'ai même pas le temps de viser, encore moins d'appuyer sur la gâchette. Ça craint. Mais non, mais c'est quoi ces angles de merde? C'est pas croyable. Dans la tête, il n'est pas mort. Comment je peux faire? Apparemment, j'aurais touché du monde. C'est moi ou j'ai réussi? Attends, je suis tellement dans le doute que je vais le sauvegarder en test. Oh, ils sont chiants ces caméras. Oh,
alive. Merde. J'essaye de passer en ninja avec mon pouvoir de... Mais eux, ils vont me voir en tant qu'organique, je pense. C'est quoi, c'est F4? Mais oui! Ah oui, c'est des biologiques, c'est pas des mécaniques. Oh là là, dur. Je sais pas comment je vais faire. Je peux gruger la caméra temporairement, mais je peux pas gruger les vigies en super armure. Que je lui tirais carrément à bout, pourtant il est pas mort. Non, mon approche est pas bonne. Hein. Alors je vais trichoter dans ma prochaine partie, je suis désolé. Mais il faut voir que je regarde sur internet parce que j'arrive pas à trouver la dite entrée porte dérobée à l'arrière. Ah oui, tiens, c'est peut-être parce qu'il y a, le robot araignée maintenant qui est déployé dans l'entrée. C'est peut-être pire qu'avant, mon truc. Non. Oh, c'est horrible, ce son. Ah, tais-toi, c'est horrible. On va arrêter l'enregistrement sur ce son horrible.